Alors là, je vais te demander un tout petit travail personnel. Essaye de te projeter un petit peu dans le futur. Imaginez que ça fait quelques années que tu es sur Internet déjà et que, étrangement, tu rames et tu ne sais pas comment révolutionner un petit peu la base de ton travail sur Internet. Disons que tu commences un peu à tourner en rond et que tu aimes par exemple faire des reviews ou des chroniques autour de films, mais que tu en as marre de ne faire que cela et que du coup, tu n'as qu'une seule envie, celle de parler d'autre chose. Alors on a le choix que font de plus en plus de youtubeurs aujourd'hui, c'est celui de parler d'une toute autre passion, qui n'a aucun lien avec la thématique de ta chaîne, mais franchement, ben, j'ai envie de te dire que ce n'est pas une super idée. Et pour connaître pas mal de youtubeurs qui ont essayé, ou essayent de faire cela aujourd'hui, je peux t'affirmer que cela ne marche pas. Ou sinon, tu as une autre solution, celle que l'on a évoquée il y a maintenant quelques mois, celle d'expérimenter dans le choix de tes sujets et donc de proposer aux personnes qui te suivent de rester dans la même thématique, mais d'aborder par exemple le cinéma d'une manière complètement différente. Je prends un exemple assez clair et que je pense vous connaissez tous, comme ça vous arriverez un peu mieux à cerner ce que je veux dire, c'est l'exemple du critique masqué. En gros, au début, celui-ci se contentait un peu de surfer sur la vague des films qui marchaient auprès des spectateurs et du coup se cantonnait un peu à la même tambouille que la masse générale des autres critiques sur YouTube. Et rapidement, il s'est passé un revirement ces derniers mois. En gros, au début, celui-ci se contentait un peu de surfer sur la vague des films qui marchaient auprès des spectateurs et du coup, se cantonnait un peu à la même tambouille que la masse générale des autres critiques sur YouTube. Et rapidement, il s'est passé un revirement ces derniers mois et sa ligne éditoriale a complètement changé. Il a décidé de faire un peu plus de thématiques, de sujets qui sortent de l'ordinaire, afin de se pencher sur une autre manière de voir le cinéma, ce qui a donné lieu à quelque chose de vraiment intéressant. Et du coup, permet aux spectateurs aujourd'hui de le suivre parce qu'il est différent et parce qu'il a su expérimenter au bon moment. Ce moment, c'est toi qui le sentiras, qui saura si tu peux te le permettre et si tu dois encore attendre un peu peut-être. Peut-être simplement toucher une autre manière de faire les chroniques ou les critiques, comme ce fut le cas à une époque avec Victor de In The Panda. Belle manière aussi ici de reconcevoir un format tout en gardant ce qui fait l'essence et la base d'une chaîne YouTube. En gros, il faut te dire qu'à aucun moment, l'expérimentation te portera préjudice. C'est simplement que peut-être, comme tout instant de ce genre dans ta vie de créateur, tu vas avoir la sensation que ce n'est pas le bon moment. Et que ce n'est pas le bon timing. Ce ne sera jamais le cas si tu te mets à penser comme ça. Et ce n'est pas ce que l'on veut, n'est-ce pas? Le but premier de l'expérimentation sur YouTube, c'est que tu prennes du plaisir, que tu crées, que tu avances dans une direction à laquelle tu ne t'attendais pas forcément. Et dans le genre, rien de mieux que de chercher un peu de nouveauté à un moment où on ne s'y attend pas. Ne laisse pas la routine prendre le pas sur ta manière d'aborder ta passion. Laisse un peu celle-ci prendre de la place dans ton envie de développer un sujet que tu estimes être important. Et là, tu verras que rapidement la magie va opérer, mais que surtout, les gens remarqueront que tu t'es investi dans quelque chose qui te tient à cœur. Les deux mois prochains, on va plutôt aborder quelque chose qui est de l'ordre de la forme plutôt que du fond, parce que nous allons parler de la mise en scène de tes vidéos.